Allez, on est parti en déploiement. Go! Alors, d'abord, échauffement! Allez, on va monter les genoux, on va venir là ici les garder. Donc avant le rythme. Tu coupes ton micro si la puce elle veut parler. C'est pas grave, Yasmina. Elle va faire avec nous. Ok, en ouverture et maintenant on fait en fermeture. On monte. Donc pareil, on chauffe la hanche et un peu les genoux. Alors, pas de cardio aujourd'hui, on verra ça demain et puis vous avez une séance cardio à 19h si vous voulez. Donc vous allez à votre rythme, on ne perd pas la respiration. Et que sur une jambe, allez, on chauffe. Celle-ci est fléchie, c'est d'appui. Et l'autre. Et on change. Ok. Là, on s'entraîne pour faire à Paris. Allez, squat. Large. Pour penser aux genoux violents. Tire les vertus. Allez, on descend. On chauffe. À la peur. Ok. Ça commence à être chaud. On travaille la pointe de pied. Ici, vous venez, vous tendez la jambe. C'est comme quand on fait du kickboxing. Voilà, je vais vous entraîner pour le crazy horse. Yes. Quand ça va rouvrir, on va aller faire le French Cancan. Ah, en plus, je ne sais pas si Priscilla est restée, mais on a une danseuse. Elle fera la chorégraphie. Ok, que du même genre. D'accord, un et l'autre. Ok, ici, petite ouverture, semi-squat. On descend pas tout à fait jusqu'en haut et on remonte pointe de pied. Donc semi-squat, pointe. Semi-squat, pointe. Bravo Emma. Bravo. Je te vois faire comme maman, bravo. Numéro 2. Ok, on écarte. Et on va chauffer droite, gauche. Alors la violence, il va doucement, hein. Ouverture lente. Allez, encore descendre de chaque côté. Comme le pas du badineur. Je sais pas où, mais moi je vais déjà ouvrir la fenêtre là. J'ai que d'un côté. Il doit faire plus chaud que chez nous. Allez,
Et de l'autre. Elle disait qu'Yasmina, elle avait chaud, elle avait froid dans l'appartement. Et oui, il n'y a plus de chauffage dans les appartements. Ouais, bah nous non plus, on a coupé, mais par contre, il fait bon dehors. Allez, pointe de pied, entendu. On ouvre la cage thoracique. C'est bon, vous êtes chaud? Deux? C'est bon. Y'a pas de garçon aujourd'hui, on est des filles. Allez Pascal, retire ton pull. Mais moi j'ai froid. Ah, vous êtes pas chaude alors? On peut non. Allez. Moi j'ai froid, j'ai les mains gelées, les pieds gelés. Ah. Et je bois chaud. Et tu bois chaud. Alors attends, avant d'attaquer les exercices, si t'as froid, tu vas secouer tes mains comme ça, face à face, dessus, dessous. Voilà, et attention, et je prends les 2 minutes. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Ouais. Alors parce qu'elle bah, va allez, on prend les poules. Bien sûr, on attaque les exercices dans la voix. Donc on va commencer. Squat les gars. Vous écartez les jambes. Pointe de pied à l'extérieur. Est-ce que le fait d'avoir froid, ça ne correspond pas avec le manque de graisse qu'on ne mange pas la graisse, de graisse. Graisse. La graisse que l'on ne mange pas. Non, tu as suffisamment de graisse sur le corps, Pascal. Non. Oh, elle précise. Elle aurait voulu que tu lui dises le contraire, mais non, non, ouais. non. Non, bah oui, non, mais parce que quand tu manges pas d'huile, de noix, de fromage, tu vois? Non, bah, non, j'ai mais t'as les oméga 3, t'as tout ce qu'il te faut. C'est ton ah, vieux corps qui a besoin d'huile. Pas ton corps. Allez, t'expliquerai à la fin de la séance si t'es sage et que tu fais bien des exercices. D'accord. C'est un problème de circulation sanguine, c'est pas un problème de graisse. D'accord. Oui. On voit pas bien le bas de tes jambes. Du coup, je sais pas si tes pieds sont parallèles ou. Ah oui. Alors. Voilà. Là, ce sera mieux. Oui. Donc, ah ici, super. Pointe de pied à l'extérieur pour la protection des genoux. Écart la plus large que le bassin. On descend simplement en squat. Avec les mains devant pour bien garder le dos droit, fessiers derrière comme si vous alliez vous asseoir. Et on remonte. Squat simple. On souffle quand on descend, on guide les abdos. C'est mieux, Sandrine? Ouais, nickel. Allez, on descend bien les fessiers comme si on allait s'asseoir. On respire en haut, mouvement lent, pour muscle profond. Et on veut dégommer la cellulite de fesses, on va travailler les muscles profonds. Voilà, là Pascal, si tu arrives à trembler, à force d'exercice, tu sauras que tu dégommes les graisses. D'accord, mais là ça ne tremble pas du tout, hein. Je dégomme voilà, tout. Ah bah on continue là. Allez, on reste en bas, petit. Je vais pouvoir lever les orteils, hein. C'est vraiment, vous êtes assis sur la rivière. Là, ça fait mal, mais ça ne tremble toujours pas. Ouais, bah oui, mais parce que ça, c'est ton petit déj, donc ça se dit pour aussi. Et ça chauffe quand même, non? Voilà. Merci Thérèse. À moi, ça chauffe, hein. Moi aussi. On bascule des jambes sur l'autre et on lève. Toujours pointe de pied à l'extérieur, genou à l'extérieur. À
Bravo, Yolande. Toujours à 4 fois centrale. Vers l'équilibre. Allez, Nacho! Un peu plus pour tout le monde, tant que tu peux. Ok, on reste ouvert et on descend ici, squat jumeau. Les coudes sur les cuisses et on ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. Allez, on reste ici. Voilà. Là. Nacho! Encore deux. Super, vas-y, je te donne les mains. C'est gratuit de YouTube Premium et cuisiner sans interruption. Alors, c'est là, on n'est pas encore trop parce qu'on gagne les abdos. Dos droit. Dos bien serré. On tend bien la jambe ici, hein, on va sentir notre buteur qui tire. Attention, bien placer les mains à l'intérieur et on pousse de l'autre côté. La violence, ça va te faire du bien. Ça permet de renforcer les tendons du genou. Et de l'autre. Et attention, n'appuie pas sur la rotule, là, c'est au-dessus. Ok, et on reste ici à ce niveau-là, droite-gauche. Allez, on part en Grèce, on va faire un petit arpégi. Je sais même pas si c'est le nom de la danse, si c'est le nom de la boisson. C'est le nom de la danse, le sirtaki. Bon, voilà, ça va, on est bien parti. Allez, on était des jambes plus bas. Et encore un peu. On tient bon. Ok. On se redresse, on boit un coup, on passe de son côté. Cette fille, elle est en jeûne, c'est pas possible. L'énergie qu'elle dégage. Allez, on est parti. Les pieds dans l'enfilade. On va descendre ici. Le genou au tapis, la jambe devant, l'angle droit. Les bras levés, on souffle et on gagne les abdos, on descend. Allez, 1, 2, 3, on sait bien attendre la jambe arrière. On va remonter, 4, 5, 6, 7, 8, attention, en bas petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on se redresse, on change du côté, la moitié de trompe, mon Pascal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va falloir vous motiver, Magali, à venir faire du sport. Hein. Les deux, il reste, hein, mais... Mm-hmm.
Félicitations, Sandrine. Elle a plus, elle a des problèmes de connexion, je crois. Elle est figée. Allez, dernier. En bas, petit. C'est bien, Yolande, c'est génial. C'est gentil que tu récupères comme ça. Sandrine est revenue. Ah. Allez, ferme les jambes. Ça va? Venez. On peut dire les jambes. Pascal, t'es où? Ne me dis pas que t'as froid. Je vais aller allumer la cheminée parce que ma tablette est vide, il faut la recharger. Allez, on vient ici, on monte. C'est la pluie. On réfléchit, on monte de côté. On monte. Allez, genoux. Coude. Ici, ça reste en appui, là, ça pose à peine. Tête. 8. 8. Devant. Ça doit chauffer là, hein? Oui, je Encore deux. Ok, on vient ici. Là, petit. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8. On ramène la hanche droite. Devant, on lève. Petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, on change de jambe d'appui. Fléchis. Bien ancré dans le sol. Fléchis côté. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on vient devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici côté, on vient monter, le genou devant, petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène les hanches droites. Lève le genou devant. Le pied devant, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pose. Yolande, s'il y a un exercice, vous tentez juste sur le pied d'appui ici. Tu sens que le genou il tire, tu le fais sur une chaise. Tu sais, appuie pour pas qu'il y ait la pression sur le devant d'une chaise. Allez, on voit le coup, on est parti. Genou, largeur de hanche, pied pareil. Toujours, pointe de pied lève, on est ancré dans les talons. On descend, squat simple. Allez, facile celui-là. 3, 4. Une découverte personnalisée de la musique urbaine. Inscrivez-vous à YouTube Music Premium et profitez d'un mois offert. Allez, on continue. 6. 7. 8. Et comme c'est facile, on fait une deuxième série. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, on
Descends, par petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remonte. Reviens ici. On monte. Genou contre le dos, remonte. Genou. C'est parti. Allez. 1. Donc on souffle en montant le genou. Hein. On serre les abdos. 2. 1. Attends. Allez, on monte bien au genou. On vient de la sangle abdominale. 5. 6, 7, 8, et on reprend 8, allez on monte bien haut, 7, 6, 5, 4, 3, 2, derrière, ici on pousse, 1, 2, 3, 4, poussez le talon, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, on change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en bas, petit, on ne bouge plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on monte, 1, 2, fais pas une jambe après l'autre, pardon, 3, 4, allez bien haut le genou, 5, 6, 7, 8, et encore 8, 7, 6, 5, allez on pousse les fessiers, on monte bien le genou, 3, 2, 1, derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poussez bien le talon pour bien avoir le mollet contracté et tout le fessier ici pour avoir un bon cul. 4, 3, 2, 1, on pose aux jambes. 1, 2, 3,
5, 6, je vais stop, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est bon? Bon. Vous avez chaud? Chaud, chaud, chaud. Ça y est, mes mains sont chaudes. Ouais. Yes. Ça tombe bien, on va les utiliser, on va descendre au tapis. Moi, j'ai pas de mains. Je découline. Ouh. Alors. Un petit chrono. Je sais qu'il y a des adeptes du gainage. Les fortiches, les épaules. Bravo Angèle, bravo Muriel, bravo Yasmina, félicitations. Merci. Bravo Pierre. Ouais, parce que j'allais dire, c'est la gueule de mon enfant. Allez, allez, elles travaillent superbement bien, ces trois filles. Les autres aussi, elles sont excellentes, mais ces trois-là, wow, elles s'y donnent. Et attention à ce que tu dis, effectivement, c'est là, sinon tu vas faire comme les gens, tu vas faire un pied. Et c'est bien, les filles. Allez, on descend, comme on a l'habitude de faire, et c'est bien ancré sur le sol, sur le fléchis. On vient lever les bras au-dessus de la tête, donc là je peux pas vous mettre et la caméra en haut et la caméra en bas. Et... Pardon, Non, j'ai oublié, tu travailles bien aussi, ma belle. Voilà, on est assis, on tombe bien les bras en haut, on fait le plein. On vide en bas, on fait le plein devant et on descend jusqu'au sol. Allez, c'est parti. On inspire, on se grandit, genoux semi-fléchis, abdos, sangle abdominal aîné, bassin rétroversé, lombaires serrés, on rentre les airs, on souffle. Bon, on tombe sur la poitrine, on vide, on creuse. On inspire devant. Dos droit, on remplit, on vide, menton poitrine, on descend. On enroule la colonne. On descend, vide, on creuse devant. On noue le nombril, là le pantalon replie. Et on avance les mains. Position gainage. Allez, premier gainage, 5, position, repos, 30 secondes. Allez, on va en profiter pour reprendre son tour. Celui-là, il est facile, dans 15 secondes, on passe sur le côté. C'est pareil, on va faire 30 secondes simples, uniquement sur le côté, juste pour gainer les abdos. 5. 4, donc pareil, hein, sur les bras ou sur les coudes, il faut en bas, sur le côté, c'est que l'articulation du poignet ou du coude soit juste sous l'épaule. Ici, on est bien gainé, et on pousse sur les talons. Allez, on fait notre tour, 10 secondes encore et on change de bras. Écoutez votre musique même sans réseau. YouTube Music Premium, un mois d'essai offert. Allez, 10 secondes et on bascule dans la position gainage simple. Je vous montre. Allez, top! Posez les genoux. Restez à semi-quatre pattes. Je vais vous montrer les exercices.
enlever les chaussettes parce que sinon, vous me retrouvez en bas de la ville. Et vous, on vit de descendre les deux doigts, c'est en une chose. Parce que ça va se faire le froid, là. Alors, attention. Pas de choses sérieuses. Revenez ici. Les poignets sous les épaules, les coudes sous les épaules. Ça, première chose. Deuxième chose, les genoux plus loin que le bassin. Troisième chose, les pieds dans le tapis. On pousse sur les talons, on a notre planche. Là, on est gainé. Donc, pas de cul en l'air, pas de planche voûtée. On n'a pas pris de haut. On reste bien droit. Premier exercice, on vient poser les genoux et pousser sur les talons. Poser. Poussez, 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 ça c'est le premier. Deuxième exercice, on va aller pousser une jambe vers le plafond, on repose l'autre jambe. Troisième exercice, on vient sur le côté, on va faire flexion du bassin et lever de la jambe. On va sur l'autre côté, flexion du bassin, lever de la jambe. Vous avez tout compris? Oui! Alors, on est parti. Oui. Je ne peux pas dire sur les coudes, hein, mais vous le sentez. Position gainée. Non. Go. Je vous appuyons pour sur les talons. Donc, je ne compte pas, c'est des ombres. Allez, on souffle. Vous pouvez le faire lentement. 15 secondes! Oh, c'est atroce! Tu peux prendre une pêche! Les présents brûlés! Ah. Allez, on pousse sur les talons vers le haut! Allez, 15 secondes! Allez, dernière ligne droite.
Oh là là. Allez, 15 secondes. Allez, encore. Encore. Allez, on est proche, on est proche. C'est une dernière, vous êtes dévoilé là. C'était le bouquet final, hein. Ah ben non, hein, mais arrête. C'est toute la partie abdominale, hein, maintenant. Aïe, 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 aïe. Allez, vous voulez avoir un beau cul, un beau ventre? Yes. Un deuxième, on est parti. Yes. Allez, les poignets, soulevez les épaules. Cette fois, les genoux, tous les hanches. Pointe de pied dans le tapis. On va partir. Premier mouvement, on va pousser ici. Le talon vers le plafond et on revient ici extérieur, genou, coude. Ça, ça va être le premier mouvement. Deuxième mouvement, hanche extérieure, genou, coude intérieur. Comme ça. C'est parti. Allez, on pousse le talon vers le plafond, on écarte vers le coude extérieur. Allez, on est parti. On inspire, talon vers le plafond, on souffle, genou vers le coude extérieur. Allez, encore. 10 secondes. Sans abdominal, bien
bien écrasé sur les cuisses, respiration profonde en face. Écoutez de la musique avec votre écran verrouillé. YouTube Music Premium, un mois d'essai offert. Allez, récupérez. Ah, c'est lourd. Alors, c'est quoi ce matin? Allez, on tourne. On va basculer sur la séance abdos. On bascule sur le fessier, position assise. Bon, vous avez vu, tout le monde est assis. J'ai bien ancré dans le tapis. On va descendre, première série, on descend le plus bas possible, on se creuse le ventre. Pour les femmes, on touche, on vient ici, on creuse, bassin rétroversé, on remonte, on inspire, dos droit et pour le poitrine sortie. Ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, revenir sur les côtés. Pareil, on grandit, on inspire. Ici on gonfle le ventre, dos droit, on souffle sur les côtés. Ici au sol, pied levé, selon votre performance abdominale, selon votre niveau. Allez, pied à plat, main sur les genoux. On inspire, on se grandit. On a les os fessiers bien dans le sol, là on est bien ancré. On souffle, on descend. On creuse le ventre. Hein. On ne sort pas la table abdominale. On ne veut pas les tablettes de chocolat, on n'est pas un garçon. Après, si les hommes regardent la vidéo, faites l'inverse. Allez, 3. 4 5 6 7 8. Ici on reste en bascule pour certains, on croise les pieds pour d'autres et surtout les jambes ne doivent pas bouger. Et on part, on souffle ici. On inspire devant. Tout côté. On inspire devant, on creuse le ventre, on touche côté. 2 3 4. Ce que vous croisez les pieds, vous changez de sang. 5 6 7 8. On repose, on refait une série de 8. On grandit, on inspire. On descend, on souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 4. 5. 6. 8. On revient, on lève le pied ou pas, on croise le pied ou pas. On est parti, on inspire de droit, on souffle côté. Inspire. Inspire. 2. Inspire. 3. 4, ceux qui croisent, on change. 5. 6. 7. 8. On revient.
Prends un passé, prends ta pied. On vient ici, donc toujours les fessiers bien ancrés. Dos droit, on souffle, on vient coller les lombaires au sol. On vient mettre toutes les colonnes vertébrales le long du tapis. On se positionne au sol bien à plat, jusqu'aux épaules. Ici, si vous avez le dos qui creuse, vous remontez vivant un peu plus haut. Je veux vraiment que ce soit la sangle lombaire au tapis. Il faut, si vous n'arrivez pas à avoir autre chose qu'un creux, vous levez les épaules et vous levez le sacrum ici, le coccyx. Vous allez voir que la bascule, hop, vous vraiment se placer au tapis. Et on vient se positionner, position, repos, non, pas repos, abdos. On lève une jambe, on vient placer le dessus de la méliole au-dessus de la rotule de l'autre jambe. Et on va aller faire des obliques là. Abdominaux. Donc, premier exercice, on vient juste sur le côté. Donc, on inspire au sol, on souffle, on lève les épaules, on descend le bras. On inspire, on repose, on souffle, côté. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on inspire au tapis, on souffle avec le coude sur le genou. On inspire au tapis, on souffle. Troisième exercice, on vient ici, on inspire au tapis, on souffle, on lève les épaules et la jambe qui est au tapis. Donc le genou se rapproche et on creuse le ventre. Hein. D'accord, on souffle, on creuse le ventre. Et on pose. Si on veut le ventre plat, il faut creuser et travailler les abdos profonds. Comme au pilates. Allez, on est parti. Trois exercices à droite, trois exercices à gauche. On inspire au sol, on souffle, on lève, on pose, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en pause, on vient ici, inspire, genou coude, inspire, genou coude, inspire, genou coude, inspire, genou coude, inspire. Si vous n'arrivez pas à creuser le ventre, vous pouvez mettre la main qui ne travaille pas sur le ventre pour forcer les premiers mouvements et faire réfléchir votre ventre à comment on gagne le ventre en creusant. Allez, tête. Puis, on pose. On inspire au sol. On vient ici, on souffle, on pose le ventre, on monte. Genoux, on va les deux. Genoux, on inspire au tapis,
pose le ventre dans le genou. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, on attire, on monte les deux pieds et on monte les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. 8, on pose, on reste au tapis, on boit un coup. Alors, on fait une tête à tout, on fait une tête à tout, on fait. Allez, on va profiter de côté au tapis pour sélectionner les muscles des jambes et soulager Yolande qui aura bien travaillé sur une rotule abîmée. Très attention que le dos ne se décolle pas. Donc vous arrêtez quand vous sentez que le dos se décolle. Et si vous arrivez à tendre la jambe complètement, pointe tendue, vous allez étirer en même temps le psoas opposé. La jambe qui a été tirée au sol et on fait l'inverse.
On attrape le dessous de la cuisse. On vient étirer sur la sangle abdominale. On se réfléchit. On va en respiration. On attrape la cheville. Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, mais je n'entends pas bien. On vient ici, donc soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et on vient étirer le pied, la jambe vers l'épaule, vers le genou. Et sur le dos, les épaules.
derrière un genou, on va mettre une main au-dessus des genoux et on va dérouler tout doucement la colonne en partant du coccyx, les vertèbres lombaires, les dorsales, pour finir sur les cervicales. On lève les bras bien haut vers le ciel. On a bien travaillé les abdos. Aujourd'hui, vous avez le droit de cambrer si vous le souhaitez. Vous tirez un peu sur le bras droit, sur le bras gauche pour étirer les obliques. Toujours genou se réfléchit. Vous inspirez à fond et vous pouvez tout lâcher. Et reprendre une deuxième fois une main. Ça te dit quoi, c'est... Claire, merci beaucoup. Bon, merci Christine, ouais. Merci. Bien. Merci. Hello, mon vie, Claire, et pas lui. Merci beaucoup. On ne sait pas que c'était si tonique. Ah, c'est pas Pilates aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était abdos-fessiers. D'accord, mais tu fais tous les matins ? Pas le mercredi, parce que le mercredi, je fais le Cooking Kids. Donc, je prends mes rendez-vous clients le mercredi matin. Mais sinon, oui, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Waouh, super. Et on fait ça depuis un an. T'imagines? Alors, je fais en vidéo depuis un an, mais avec Dodo, ouais, ça va bientôt faire deux ans. Ouais, ça fait deux ans, largement. D'accord. C'est pour ça qu'elle est douée, Dodo. Ah ouais. C'est qui, Dodo? C'est Dodo, moi, c'est Yann. C'est le voyage là-haut dans le nord. C'est le petit nord. C'est moi là-haut. Dans le vrai nord, cette fois. Ouais. En nord, le grand nord. Le grand nord. Arrête, Annick, faut pas exagérer. Hein. Dodo, oui, Dodo sur l'écran, c'est qui? Parce que je vois pas Dodo. Dorian. Fais coucou, Dorian. Coucou. Ah, ok, Dorian, super. Coucou, Sophine. Génial. Donc, deux ans que vous faites les ateliers comme ça. Ouais. Avec Dorian, ouais. À la base, c'était à la maison. Et puis après le confinement, enfin pendant le confinement, le premier confinement, on a commencé à faire avec tout le monde en fait. Enfin pas au début, mais après on a invité de plus en plus de personnes. Et puis là maintenant, Christine, elle le fait depuis un an avec tout ce groupe là. Voilà, on est tous ensemble. Puis ça grandit au fur et à mesure. On souffre depuis un an. Arrête de te plaindre, Annick, s'il te plaît. On t'a-tue depuis un an. Hey, mais les belles fesses qu'on a quand même. Hein. Mais ah, oui, voilà, merci Thérèse. C'est dommage qu'on ne puisse pas les montrer parce qu'on ne peut pas aller à la plage, mais... Oui. Dans ton plus beau pantalon, je suis sûre que ça se voit. Oui, c'est vrai. Moi, c'est une tortue tous les jours, mais je suis là. Si tu voyais, ils sont tous derrière mes fesses. Mais... Wow. On voit que tu fais les cours de Christine chaque matin. Et Yolande, elle a raison. Elle dit ce que Dorian me disait il y a un an. Vas-y, Yolande. Répète, Yolande. On t'a pas entendu. Ah, j'ai dit c'est une torture tous les jours, mais on est là. Exactement. Et on aime bien. Et on revient. On est un peu maso. Bravo, bravo, Yolande. Même quand on a mal, on est là. Oui. Vous avez tout compris, parce que les gens qui ont mal et qui ne persévèrent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris que la mémoire du corps est en train de changer. C'est une souffrance. C'est ça. Et c'est fou, hein. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ça parce qu'elles n'ont pas eu... T'as des belles histoires là sur l'appel. T'as Angèle qui n'avait jamais fait de sport de sa vie. Et quand elle a commencé le programme il y a un an, elle a d'abord fait juste le pâté de maison. Hein, tu te souviens, Dorian? Oui. Qui l'a forcé à marcher juste le pâté de maison, après à la plage, etc. Et qui maintenant fait du sport deux fois par jour. Bravo. Parce qu'elle est même aux séances de 19h. Ah, et les séances du matin aussi, trois fois par jour. Ah oui, et le réveil musculaire aussi à 7h30, donc trois fois par jour. Angèle, c'est matin, midi et soir. On ne sait pas ce qu'elle fait la nuit, mais en tout cas, la journée. Voilà, mais elle a quand même dégommé plus de 30 kilos grâce à ça. Donc ça, c'est chouette. Et
Annick qui s'est remis au sport avec nous. Je ne sais pas si tu faisais du sport avant. Mais franchement, je préfère être avec toi. Et moralement aussi, parce que franchement, on rit bien et on est soudés tous là. Ouais, exactement. Et moi, je voudrais ajouter que Christine s'adapte à chacune. Et lorsqu'on a un bobo aux bras, aux épaules, etc., aux genoux, Christine nous fait faire des mouvements spécifiques pour réparer la zone abîmée. Et ça, c'est quand même chouette. Ouais. C'est génial, c'est génial. C'est, en tout cas, c'est inspirant et ça donne envie. Donc, il faut qu'on invite plus de monde alors. Si j'ai bien compris. Exactement. C'est ça. Et elle nous parle des muscles, elle nous explique, on les sent, on les voit presque. Donc, c'est super. On sait ce qu'on travaille. Ouais, c'est ça qui est important, c'est qu'on se conscientise vraiment ce qu'on travaille. Voilà. J'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas. Ben, ils n'existaient pas avant, c'est simple. Ils étaient endormis. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de récup. Parce que là, il faut que vous alliez récupérer et reconstruire vos muscles. Faites vos checks. J'ai une question, Christine. Vas-y. J'ai mis ce matin dans mon chèque des marrons au naturel. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est protéiné, les châtaignes. C'est très protéiné. Voilà, d'accord. Parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement sucré. Mais bon, c'est des châtaignes au naturel. Ah, mais parce qu'elles étaient cuites? Oui. Ah oui, d'accord. T'as mangé des fruits avant quand même? Non. Alors, Pascal, le cru! Pascal, Alson! Non, j'ai pas mangé de fruits. J'ai pris l'aloe vera. Et j'avais extrêmement faim et je me suis jetée sur les marrons dans le chèque et je n'ai pas pris de pommes. Mais le fait de les cuire, elles sont cuites au naturel. Donc, oui. tu as transformé l'intérieur protéinique en fécule, en fait. C'est pour ça que c'est chouette. Ouais, donc c'est pas top. C'est moins bien déjà, ouais. Ouais, c'est ça. Mais quand elles sont crues, on peut manger crues? Mais oui, tu ne manges pas les châtaignes quand tu vas les ramasser dans la forêt? Non, je les ai toujours fait griller. Ah là là, manie de cuire tout, hein. Et j'ai une question. Tu peux les broyer crus ou il faut les avoir fait tremper avant? Ben, pour les éplucher, c'est plus facile de les avoir fait tremper et qu'elles s'ouvrent. Tu sais, tu les fends au couteau, déjà c'est costaud, et puis après tu les fais claquer dans l'eau. Une nuit ou deux. En plus, s'il y en a qui sont véreuses, et ben, elles ne s'ouvrent pas, donc c'est pratique. Et puis après, tu les... Voilà. Et soit tu les fais sécher, tu en fais de la farine, et ça te fait de la farine protéinée de châtaigne. Pour les crêpes, Dorian, c'est super beau. Et super. Si j'ai bien compris, en fait, on remplace la cuisson par le trempage dans le cru. C'est un peu ça, voilà. Ouais, en fait, ça. Tu vitalise ta graine. D'accord. Ouais. Et tu l'as ramollie aussi, donc elle est plus facile à travailler. Oh, super. Exactement. J'ai une question pour Rebulstrand. Quand on a quand on fait 56 kilos après le sport, si je prends 5 mesures comme c'est indiqué sur la boîte, c'est trop? Oui, c'est trop. Ouais. Vas-y, Dorian, réponds. Puisque c'est... Moi, j'en fais 65 et je prends 2 cuillères. Ça me suffit. Ah, t'as 2 cuillères maintenant. D'accord. Ouais, je prends 2 cuillères, 2 ou 3 cuillères. Mais ça, c'est une question de goût aussi. Moi, j'en prends 3, 60 kilos, enfin 59 kilos, j'en prends 3. Ouais, moi aussi, je suis sur 3 cuillères, Sandrine. Ok. Ouais. Mais quelquefois, je triche, j'en mets aussi dans mon petit déjeuner parce que j'aime bien ça. Ah oui, il est trop bon. Hein. Je fais comme toi, Dorian. Et chocolat, et puis 2 cuillères de chocolat, puis 1 cuillère de Red Bull Strange. C'est pas et bien, tu peux hein. faire
Tu peux faire des gaufres avec aussi. Non, mais c'est trop bon. Ouais, j'ai déjà essayé. Christine, et tu recommandes le Rebulstrain systématiquement après ou un shake, un petit déjeuner normal, c'est suffisant? Alors, selon les personnes, je vais recommander Rebulstrain parce que ça permet d'éviter les courbatures. Ça élimine vraiment l'acide quand tu as bien travaillé les muscles. Et puis, ça permet de. C'est vraiment ultracellulaire, donc ça permet de régénérer tout de suite la masse musculaire perdue. Donc, tu dégommes. En fait, ça augmente la perte de gras pendant. Si tu as fait, par exemple, là, on a fait peut-être une heure de sport. Donc, ça veut dire que notre métabolisme va encore brûler des calories pendant. Donc, une heure, ça fait 1h30, 90 minutes. Et si tu prends un Rebulstrain, voilà, non, mais t'as fini de moi. Hé, hey, Dorian, je suis en jeûne, hein. T'as fini. Eh ouais. Ah, oui. Et donc, ça permet d'augmenter de 25% le fait que tu brûles les graisses et que tu brûles les calories encore après. Et si tu prends un thermocomplete, ça accroît encore? Ah ouais, ça accroît encore, mais le mieux, c'est de le prendre pendant le sport. D'accord. Et là, par exemple, moi, j'ai préparé mon petit-déj avec deux Formule 1 et une 15cc de PDM. Si ouais. Je peux rajouter du Rebulstrain? Ah, bah oui, tu peux mettre une de Rebulstrain si ce n'est pas encore trop pâteux, que c'est encore liquide, oui. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Après, tu peux faire du topping avec le Rebulstrain. C'est-à-dire que tu prends du lait de coco ou du. Tu vois, un truc un peu crémeux, tu mets ta cuillère de Rebulstrain dedans, ça, tu le liquéfies, et puis ça te fait comme un topping de chocolat fondu sur ton shake. Mmh. D'accord. Mmh. Ah, encore une. Bon, vous allez me donner faim. Hein. Recette de plus, oui. Ok. Dorian, ton micro est coupé. Ouais, on t'a pas entendu. Dis courage, Christine, nous sommes tous avec toi. Oui, je le vois. Ouais. Ouais, on est admirative de ta. Ah bah complètement. Oh. Ah oui, là, c'est sûr que. Bon. Quand tu t'arrêtes Père. Quand le 28. Je fais la purge de 27. Oh. Et là, ça consiste en quoi? Je sais pas si c'est le bon endroit pour poser la question. Ouais, je suis pas sûre. Non, en fait.